Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la cellule Unleashed, le premier podcast de la cellule Unleashed de cette rentrée. Aujourd'hui, nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? D'accord, effectivement, t'as la pêche. Nous sommes également avec deux invités de marque, les auteurs du jeu que nous allons tester aujourd'hui. Il s'agit de Christophe Beuclet. Christophe, ça va la pêche? Ouais, à bloc. Et nous sommes également avec Sylvie Guillaume. Sylvie, ça va? Oui, ça va, merci. Vous êtes tous deux les heureux auteurs d'un jeu qui s'appelle Les Petites Choses Oubliées, créé dans le contexte du Game Chef de l'année dernière. Enfin, quand je parle de l'année dernière, comprenez-moi, avant nos vacances d'été. Et aujourd'hui, c'est ce jeu-là qu'on va tester. Vous êtes arrivé en finale, c'est ça? Vous êtes arrivé loin, je crois, dans le truc. Enfin. On a passé le premier tour. Voilà. Après, on s'est arrêté là, mais c'était déjà super de. C'est cool. D'avoir... Bah ouais. Tu es arrivé jusque-là, ça fait plaisir. Et puis. Alors, il faut savoir quelque chose sur le podcast que nous sommes en train d'enregistrer en termes sonores. C'est-à-dire que non seulement Sylvie et Christophe sont par Skype et donc forcément le son n'est pas d'une qualité optimale, mais en plus. Pour commencer le Unleashed, nous avons fait appel à énormément. Nous avons mis du budget, quoi. Enfin, ouais, voilà ça. C'est-à-dire que nous avons fait appel à 3 camions de pompiers et un incendie à Yverdon-les-Bains en Suisse, puisqu'il se trouve que sous leur fenêtre, actuellement, tandis que nous enregistrons ce podcast, il y a un incendie juste en bas de chez eux, donc c'est bien. Absolument. Peut-être qu'ils vont devoir nous quitter parce qu'ils auront le feu au plancher, je ne sais pas. Exactement. On a préparé des seaux d'eau si jamais. Non, je continuerai ce podcast jusqu'au bout. En tout cas, voilà. Allez, peut-être pour nos auditeurs, présenter qu'est-ce que c'est que les petites choses oubliées. De quoi il s'agit ? On ne peut pas savoir, c'est oublié. D'accord, merci Flavie. De rien. Ça commence bien. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jeu qui se joue à deux. Qui prend à peu près une heure de la préparation à la fin de la partie et qui se joue donc sans aucune préparation au préalable. Donc on décide de jouer, chaque joueur se prépare 5 photos de petites choses de la vie, du quotidien, des photos toutes communes, on va dire. D'accord. Elle les met de côté. Puis ensuite, on crée 2 personnages qu'on décrit un peu à la façon de... D'Amélie Poulain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, des petits trucs un peu cocasses comme ça qui sont assez sympas. D'accord, oui. Et donc, dans un premier... Après, ça se joue en 3 mouvements. Il y a le premier, c'est la rencontre de ces 2 personnages. Mm-hmm. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont se plaire l'un l'autre à la fin de cette rencontre. Et on va juste un peu jouer leur rencontre, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, comment justement les petites choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qui les agacent, a un impact sur cette rencontre. D'accord. Et ensuite, on boucle, ça prend 10 minutes, on va dire, avec la création des personnages y compris. Et ensuite, on passe à la deuxième phase. Dans le livre, il y a derrière... Chaque titre, il y a un chiffre qui apparaît. À quoi il correspond ce chiffre ? Au temps que ça prend pour le faire. D'accord. D'accord. Okay. D'accord, ok, très bien. Ce qui fait à peu près une heure en tout, si vous faites la somme des minutes indiquées. Cool. D'accord, ok. Donc après, justement, la deuxième partie, donc on fait une ellipse temporelle, donc on est dans le futur. Donc on sait que ce couple, il ne sait plus, donc ils ont une relation très forte. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est très mal passé. Ils ont décidé de rompre. Puis encore plus que ça, en fait, ils ont décidé de se faire effacer tous les souvenirs de l'autre et de la relation. Puis donc, pour faire ça, ils se rendent dans le cabinet d'un psychochirurgien, donc un spécialiste qui est capable de localiser où se trouvent les souvenirs et puis de les effacer. Et puis donc, ce qu'on explique, c'est que la procédure, elle se déroule par un entretien pendant lequel le patient vient avec des photos, puis il va raconter des souvenirs de sa relation. D'accord. Et puis là, du coup, les joueurs vont s'échanger les photos. Et puis à partir de chaque photo, le joueur va raconter un souvenir de la relation de ce couple. Alors, il peut raconter un souvenir du quotidien, il peut raconter quelque chose qu'il n'aimait pas chez l'autre, ou au contraire, quelque chose qui le touchait. D'accord, ouais. Et donc ça prend... quelques phrases, quoi. C'est juste esquisser le souvenir,
Et ensuite, le joueur qui écoutait, en fait, peut décider d'intervenir selon quatre modalités. Soit il choisit de ne rien dire, c'est une vraie option, donc est-ce qu'il acquiesce, est-ce qu'il n'en pense pas moins, etc. La deuxième option permet de se greffer dans cette description et prendre en fait le contrôle du personnage qui vient de raconter son souvenir, mais uniquement pour décrire quelque chose au sujet de l'ex-compagnon. D'accord. De son personnage à lui. Donc en fait, il parle de son personnage à lui avec la voix du personnage de son partenaire. Donc ça peut lui servir justement à ajouter un détail. Donc par exemple, on avait mis un exemple dans le livre à partir d'une photo d'une coccinelle sur une fenêtre. Donc le premier joueur a raconté qu'il était très énervé avec son conjoint parce qu'il laissait toujours les fenêtres ouvertes. D'accord, oui. Et puis il avait toujours peur qu'il pleuve dedans ou quelque chose se passe mal. Puis donc là, l'autre joueur va... Qu'est-ce qu'il ajoutait ? L'autre joueur, je crois qu'il dit qu'en fait, ce jour-là où elle s'est énervée, il avait laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait un grand ciel bleu dehors et qu'il voulait qu'elle voie et qu'elle en profite. Exactement. Et du coup, il était tellement déçu qu'elle a réagi comme ça qu'il n'avait rien dit. Ouais, c'est ça. Voilà. La troisième option, c'est de reprendre le même événement et de le raconter totalement du point de vue du deuxième personnage, sans référence explicite à la première version du récit. Ça, ce serait une des options. Et la quatrième option, c'est de jouer en fait le psychochirurgien qui pose simplement une question. Et comment vous êtes ressenti à ce moment-là? Et vos chaussettes, comment se sentaient-elles? Non. J'imagine qu'il pose des questions un minimum. C'est thérapeutique, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour qu'il puisse faire le lien entre les souvenirs et les émotions afin de mieux les effacer ensuite. Ça donc permet au joueur qui a raconté le souvenir de compléter avec cette question qu'il leur lance, en fait. D'accord. Ok. Puis ensuite, on fait donc chacun quatre photos, ce qui veut dire que chacun écarte une photo. C'est-à-dire ça représente symboliquement l'ensemble des souvenirs qui seront jamais racontés, tout ça. Et on passe ensuite à la troisième phase. Je passe la parole à Sylvie. Pendant la troisième phase, donc, les joueurs vont discuter de l'histoire qu'ils viennent de raconter. Donc le but, c'est qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils ont ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'ils avaient l'impression que ce couple était quand même heureux en fin de compte, mais qu'il y a eu des incompréhensions, qu'il y a quelque chose qui serait améliorable, qui a cloché, ou au contraire, est-ce que en fin de compte cette relation elle n'était pas très intéressante pour eux? D'accord. Puis du coup, à partir de ça, ils vont pouvoir décider s'ils veulent que ce couple récupère d'une manière ou d'une autre les souvenirs, enfin pas tous les souvenirs, mais une partie des souvenirs qu'ils ont perdus, et est-ce qu'ils veulent en gros leur donner une deuxième chance. Et puis donc les joueurs vont finir le jeu en décrivant une scène qui résume les points dont ils ont discuté. D'accord, ok. D'accord. Qui remet en scène vraiment les choix dans le futur. Voilà, les conséquences. Marie, il va falloir que tu fasses abstraction du film que tu détestes le plus au monde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde bien votre jeu, j'ai l'impression qu'il s'inspire beaucoup du film Eternal Sunshine, The Spotless Mind. Absolument. Et je déteste ce film. Je supporte pas ce film. Il me fait des. Moi, c'est mon film, un de mes films préférés. J'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un personnage sur des films, sur des personnages. C'est un film sur des personnages d'une lâcheté sans nom et je déteste ça. Ah bah on est loin de Luke Skywalker. Ah bah on est bien parti alors. Voilà. Et puis vous avez l'air aussi. Tu peux profiter de l'occasion pour amener ta propre réaction. Oui, tout à fait. Finalement, cette fois-ci, je ne vais pas subir le film. Je vais interagir avec. Parce que c'est pas faute de parler à l'écran, hein, mais les personnages dans les films ne font jamais ce que tu leur demandes. J'ai l'impression de vivre des fois avec Calvin, quoi. Donc pour les auditeurs, sachez que je parle pendant les films que je regarde aux personnages à l'écran. Voilà. Merci Flavie de rappeler cela. J'adore. C'est très sympa, très sympa. Oui, alors donc. C'est pour ça que tu joues au jeu de rôle en même temps. Tout à fait. Donc, nous allons jouer aux petites choses oubliées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, tous les deux, là? Est-ce qu'on avait... Non, je crois que c'est bon. Non, moi, j'ai un truc à rajouter.
Oui. Moi, j'aimerais, avant même de commencer, hein, j'ai trouvé que la lecture était fluide et qu'on comprenait bien, bien ce qu'il fallait faire et tout. Je ne sais pas si ça va marcher, on va voir, mais déjà, moi, j'ai bien aimé En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis d'entrée de jeu assez hostile à ce genre de jeu. Oui. Ouais, c'est absolument, c'est ce qu'on s'attendait. Ouais, donc, on va voir ce que ça va donner, mais a priori, voilà. J'ai déjà un a priori sur le jeu. Mais bon, c'est dû à des goûts personnels. En aucun cas, la qualité du design du jeu. On aura l'occasion d'en reparler après avoir joué. On ça va jouer. Je précise juste encore un à truc. Donc, merci Flavie pour tes bons mots. Mais pour être tout à fait honnête, c'est déjà la deuxième ou troisième réécriture. Ah, d'accord. Ah. Donc, c'est pas brut de décoffrage depuis le concours. D'accord. Okay. On n'a pas non plus. Enfin, on a quand même encore eu du travail à peaufiner, notamment grâce à un retour de Steve J et d'accord. de Fabien H. Je me demande bien de qui vous pouvez parler. Fabien Invine, hein, tu peux le dire, il vient suffisamment sur le podcast, les auditeurs le connaissent. C'est clair. Et Steve Jakubowicz, vous l'avez déjà entendu sur la cellule, il s'agit de la personne qui nous présentait Inspector l'année dernière. Voilà, voilà. On y va. On joue. C'est à parti. Tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Bon, fin de la partie. Je n'ai pas mon carnet sur moi. Voilà, je prends mon carnet. Alors, Flavie, est-ce que tu veux commencer par faire des commentaires ou est-ce que tu veux que je commence? Je préférerais que tu commences. D'accord, très bien. Alors, nous étions au cours de ce jeu, on s'échange. Donc, d'abord, on présente les personnages. Alors, je vais le faire. Nous étions respectivement Sarah. Flavie jouait Sarah et moi j'étais Francis. Je collectionne les ailes de papillon, je déteste les fautes de grammaire et j'aime les menus. Voilà. Moi, je n'aime pas les trucs blancs. J'aime l'orage et le bruit de la pluie qui tombe sur un toit. Et je suis un beau parleur. Voilà les deux personnages que nous jouions. Donc ça, ils se rencontrent au cours de la nuit des étoiles. Ils sympathisent devant un télescope, tombent amoureux et décident de s'installer ensemble. Après avoir vécu une idylle qui passe par de nombreux restaurants, je crois, entre autres. Notamment. Et devant lesquels, enfin, des menus, notamment devant lesquels Sarah a tendance à scotcher, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, on a chacun choisi tour à tour des photographies qui nous ont permis d'improviser devant cette espèce de psycho-memno... C'est quoi ? Psychochirurgien. Non, memno... Si, psychochirurgien. Non. Un psychochirurgien mnémotechnicien. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que je n'avais pas compris. Un mnémotechnicien. Donc, voilà, enfin, devant le monsieur, quoi. Et donc, à chaque fois, on a pris une photo. Donc, j'ai commencé par prendre des photographies, enfin, une photographie de Flavie. D'ailleurs, au début, je me suis trompé. Je ne savais pas qu'il fallait choisir la photo. J'ai pris juste la première qu'elle m'a tendue, en fait. Bon, c'est pas très 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 grave, hein, c'est pas très important, mais voilà. Donc du coup, j'ai dû improviser sur la photographie, et c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était un ticket de péage, enfin un espèce de. Mais j'ai des photos merveilleuses durant mes vacances. C'est alors, un de mes avantages. Il faut savoir, donc nous sommes sur le podcast de la cellule, nous ne pouvons pas vous montrer les photos. Par contre, on peut vous les décrire. Et Flavie avait choisi un doigt, c'est-à-dire qu'un doigt qui passe devant l'objectif. Un tas de cartons de déménagement, une photo qui représente une plage avec de nombreuses couchettes qui s'alignent les unes à côté des autres. Je pense à une plage appartenant à un bar privé avec un coucher de soleil qui tombe sur... voilà, il fait noir. Une photo dont j'ignore tout, c'est-à-dire que c'est du gris. Voilà, il y a du gris avec vaguement une espèce de pas de porte dessus. Et puis, la dernière photo, c'était... Le péage, la fameuse borne de péage. Une donc, borne voilà. de péage avec un ticket qui sort. Alors moi, j'avais choisi un espèce de château avec des toits rouges et un parking dessus, de château médiéval, qui sont un peu... C'est une photo qui vient d'Yverdon-les-Bains. Hein, donc voilà. j'avais choisi une petite photo d'un espèce de mini Versailles
une photo de nightclub avec des gens qui dansent. J'avais choisi une photo de Bob, un Bob de plage standard. Un et, chapeau. Ouais, voilà, c'est ça, un chapeau, tu sais, un chapeau de plage, quoi. Ouais, et ouais. Une photo de stalactite, enfin une œuvre de glace formée vraisemblablement par de l'eau qui s'écoule longuement le long de quelque chose. Et ça forme une espèce de forme givrée. Donc voilà pour mes images. Et donc on a dû improviser sur les images, les souvenirs de nos deux personnages. Alors, Fly. Alors moi je sais que j'ai un peu l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Donc moi en fait partir en live rapidement et me mettre dans un perso que je connais pas, ça me pose pas de problème. Ouais. Donc moi je me suis assez rapidement imaginer Sarah, et donc je me suis assez rapidement mise à parler, à jouer en fait, en regardant les photos et en essayant de ressentir des trucs et tout. Et par contre, je pense que ça n'a pas du tout été la même chose. Je pense que Rome, en fait, il n'a pas réussi à se mettre dedans. Moi, autant j'ai réussi à me détacher de mon couple et du coup à parler d'un couple que je ne connaissais pas et à imaginer une histoire. Et j'ai bien vu qu'en face, Rome, en fait, il n'y arrive pas. J'arrive pas à me projeter dans c'est-à-dire que j'arrive pas à me projeter comme ça dans un personnage. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment créer. Je sais pas quoi dire. Et du coup, j'ai tendance à prendre des événements qui se sont vraiment produits. Donc du coup, en fait, mais je vois malicieux derrière la webcam. Et je pense, si, ouais, tu es malicieuse, Sylvie, je le sais que tu es malicieuse. Non, pas du tout. Si. Et donc, et je pense que quelque part, ce jeu, dans la manière dont on est un peu forcé d'improviser les personnages en 5 minutes, nous pousse quand même à prendre des traits qui doivent plus ou moins nous ressembler ou correspondre à une caricature de nous-mêmes. Ou... Non, vous n'êtes pas d'accord, tous les deux? J'ai pas trouvé que Sarah me ressemblait, moi. Alors, t'aimes bien les restos, Flavie, non? Oui. Mais moi, j'aime bien manger. C'est pas les restaurants, c'est la bouffe en général, quoi. Et les menus, t'aimes bien ça, il me semble. Mais oui, mais si j'ai choisi ça parce que c'était le premier truc qui me venait en tête. D'accord. Collectionner les ailes de papillon. Je n'ai jamais collectionné d'ailes de papillon. Tu n'as jamais collectionné d'ailes de papillon. On est bien d'accord. Mais tu as une fascination pour les fées et ce genre de choses. Tu vois mais ce que oui, je veux dire, mais ça se rapproche. C'est pas un papillon, moi je les collectionne pas. Non, si d'accord, je les collectionne, d'accord, je mais riche, ce que je veux dire, c'est ça le côté farfadet de jardin qui va fouiner dans les jardins pour trouver des papillons. Je veux dire, ça te correspond très très bien. Et le dernier truc, vas-y, dis ce que c'était. Je déteste les fautes de grammaire. Alors ça, le côté maîtresse, etc. Je te rappelle, Flavie, que tu es professeur des écoles, que tu reprends systématiquement les gens qui font des fautes. Mais je déteste les fautes de grammaire, c'est vrai? Voilà. Bon, moi, les traits, donc je n'aime pas les trucs blancs. Bon, bah, il faut savoir que. Alors, Romaric a un truc, ça, c'est vrai, il a un truc avec les yaourts. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je n'aime pas le fromage blanc, les yaourts blancs et tous ces trucs-là. En fait, c'était en rapport avec la bouffe, je n'aime pas les trucs blancs. On verra qu'au cours de la partie, justement, tu as transformé ça en il n'aime pas en général les trucs blancs. Deuxième trait, c'était j'aime l'orage et le bruit de la pluie sur le toit. C'est tout à fait vrai, ça me correspond parfaitement. Et le dernier, je suis un beau parleur. Je laisse les auditeurs de la cellule en juger par eux-mêmes. Donc, oui, Christophe. Est-ce que je peux juste déjà voir, est-ce que vous avez d'abord choisi le lieu de la rencontre, donc cette nuit des étoiles, et puis ensuite choisi les petits trucs? Non, on a d'abord choisi les petits trucs, puis le lieu de la rencontre. D'accord. C'est pas comme ça que c'est censé se passer? Non, on a justement réécrit une nouvelle version pour inverser ça. C'est bon ça. Mais bon, c'est plus pour faciliter la vie qu'une véritable nécessité, je pense. Mais et puis, Christophe. Être un beau parleur, justement, tu as utilisé toi-même le mot « trait ». Oui. C'est un peu « Dogs in the Vineyard » là qui ressort, non? Oui, il y a un côté comme ça, ouais. Pourquoi... Parce que moi, du coup, j'ai plus pensé à Amélie Poulain. Ouais. Du coup, collectionner les ailes de papillon, je me dis que ça va être un truc un peu léger. Et... D'accord. Tandis que toi, c'est pas assez léger, en fait. Christophe. C'est exactement ça, oui. Ouais, parce qu'être un beau parleur, c'est pas quelque chose que tu aimes ou quelque chose que tu n'aimes pas. D'accord. C'est quelque chose que tu es. C'est qui tu es, peut-être.
Ah, La vie. d'accord, ok, très bien. Bon, bah, quelque part, c'est bien que j'ai fait cette erreur-là. On verra que ça a été fructueux au cours de la partie. Par contre, du coup, je me permets, vu que vous êtes en réécriture, que c'est pas la phase finale qu'on joue. Le Tu second. connais Christophe, il est toujours en réécriture. C'est-à-dire qu'en Bref, fait, ces tais-toi, jeux ne sortent tais-toi, jamais. tais-toi, tais-toi. Si maintenant il est avec Sylvie, peut-être que du coup ils vont sortir le jeu. Pousse-le. Allez. Et en fait, je me dis que moi j'ai réussi à faire bien mon perso parce que vous m'avez dit c'est une présentation un peu comme dans Amélie Poulain. Et je pense que ça, ce serait pas mal de le rajouter dans la base. Oui, mais c'est écrit dedans Parce dans que les sinon, moi, j'aurais inspirations. fait les mêmes. Oui, mais l'inspiration n'indique pas à quel moment, en fait. Parce D'accord. qu'Amélie Poulain, c'est grand, en fait. Et moi, du Ouais. coup, j'avais vraiment, du coup, la présentation d'Amélie Poulain en Attends, tête, et mais ça m'a évité de mettre des choses comme toi. dans la base, il y a des exemples. Moi, il me semble juste que je suis un mauvais élève et puis c'est tout, qu'il faut me taper sur les doigts et basta. Enfin, je crois pas que ce soit la base qui soit Tends mal le doigt, écrite. tends le Oui, voilà, doigt. c'est ça. C'est plutôt moi, en fait, qui ai mal lu. Je me souviens très bien, en plus, de la manière dont j'ai écrit cette dernière phrase. Je l'ai écrit à l'arrache parce qu'il m'en fallait trois et je l'ai rajouté en me disant. Mais en fait, bon, là, ce dont je veux parler, c'est que finalement, dans un processus créatif au cours d'un jeu de rôle, tu sais quoi, Fly? Je crois qu'on n'a pas le choix. On doit créer et mettre en place des choses dans le contenu, dans la fiction. On doit mettre des choses forcément qui nous tiennent à cœur. Et on ne peut Mais ça, pas c'est échapper à normal, je ça. veux dire. Enfin, ça, c'est Merci. enfoncer une porte ouverte dans le jeu de rôle. On va pas Oui. dire, ah, oh, j'ai joué quelqu'un de complètement différent. Bah non, tu peux pas. Enfin. Alors, je sais bien, mais pour les petites choses oubliées, en l'occurrence pour ce jeu, c'est vachement important. Parce que du coup, la relation dont on va parler, en fait, c'est pas la relation de deux personnages qui nous sont totalement étrangers. C'est une part de On notre va parler relation à d'un nous. peu de nos travers. Oui, et c'est d'autant plus vrai que là, nous avons joué à ce jeu en couple. C'est-à-dire que bon, j'imagine que la partie que Fabien et Steve Jakubowicz ont joué ensemble ne devait pas ressembler à ça. Et il y a peut-être un biais ici qui est que comme on a joué en couple, c'est. Je ne suis pas Ouais, mais sûr. moi je me suis projetée vraiment dans autre chose, Romain. Moi je parlais pas de notre Mais tu viens couple. de dire que c'était enfoncer une porte ouverte que de. Oui, C'était bizarre, c'est mais bizarre ce que. non, c'est on met forcément de soi dans un personnage, ça me paraît logique en fait. C'est ce que je te dis. Donc on va parler Mais d'une partie de nous-mêmes. On parle d'une partie de nous-mêmes, mais on peut pas. Enfin, c'est la même chose que de dire. Je suis désolée quand je joue à Sens. Oui, il y a une partie de moi qui joue, mais l'autre est bien capable de faire la différence. Je suis pas en train de dire que j'ai rencontré Mifos Kadria, quoi. D'accord. Ah oui, moi ça me fait ça, moi ça me fait ça. Mais non, mais évidemment que non, ça me fait pas ça. Voilà, c'est pareil. J'ai mis un peu de moi dans le personnage, mais je vois bien que je suis pas avec le mec que j'ai décrit, quoi. Voilà. Je peux juste rajouter un truc à propos de ça? Bien Vas-y, sûr. au contraire. Ouais, ce qui me semble, c'est que forcément, tu joues sur des choses qui te parlent, mais c'est pas pour autant que le jeu te force à mettre l'accent sur des véritables lignes de conflit, en fait. Tu peux, bah oui, tu reprends des traits, je pense, de ta personnalité ou des choses qui te frappent chez d'autres gens, mais ça peut être dans un couple ou même, je sais pas, un ami ou comme ça. Mais c'est pas pour autant, je pense, que c'est un jeu où qu'elle a pour vraiment explorer tes problèmes de couple. En tout Je cas, pas pense en que une vous n'y partie. Enfin, arrivez, nous, ça marcherait la pas très partie bien qu'on en a plus. pris, la problématique qu'on a abordée, c'est vraiment pas quelque chose c'est pas sur ça en tant que couple qu'on discuterait, par exemple. Mais c'est pas pour autant que ces personnages nous sont complètement étrangers, ça je dis pas, mais je pense qu'il y a quand même aussi une variation dans ce que tu fais. Comme disait Flavie, oui, bien sûr, il y a des traits qui te ressemblent, mais c'est pas non plus ton couple que tu es en train de jouer. D'accord, ok. Est-ce que vous avez lu l'exemple de partie, l'autre PDF qu'on a joint? Non, 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 je l'ai pas lu moi personnellement. Sylvie faisait référence à ça. Peut-être pour les auditeurs, ça vaut la peine aussi de donner un exemple plus concret. Est-ce que Les vous pouvez. personnages, on finit par découvrir en jouant que les personnages ont beaucoup de Difficulté. difficultés à accorder la même place à la spiritualité, à la religion, en fait. D'accord. Et, enfin, c'est quelque chose qui nous parle peut-être à Sylvie et à moi, mais c'est pas un problème qu'on aurait, nous, entre nous. On est assez D'accord. sur la même longueur d'onde sur ces questions-là, donc ça prend pas du tout la place. Dans l'exemple de partie, c'est un peu ça qui mène à la rupture, en fait. D'accord. Ok. Chez nous, c'est pas, on en parle de temps en temps, mais c'est pas un enjeu de cette taille-là. En Mais fait, oui. je m'aperçois qu'avec Flavie, on n'a pas vraiment expliqué les motifs de la rupture.
Non, mais c'est sous-entendu en fait. Ouais. Le motif, enfin, je pense que dans l'exemple de partie, c'est pareil, c'est sous-entendu. C'est qu'à force de se prendre la tête sur la spiritualité, c'est ça qui a amené. Mais en fait, on rompt, mais à la fin, on retourne ensemble parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Mmh. Ok. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter sur la fiction ? Tu veux qu'on va peut-être pas raconter ce qu'on a fait pour chaque photo ? Ce qu'on peut dire, c'est que toi, tu as vraiment inventé des choses. Moi, j'ai inventé des choses alors que toi, tu as pris des choses de notre quotidien. Voilà. Et du coup, moi, j'inventais des trucs où bon. Il n'était pas forcément très sympa et tout, mais c'est pas de lui dont je parlais. Donc à chaque fois, il le prenait un peu genre, oh là, t'exagères. Non. Là, tu me fais un procès d'intention. C'est pas du tout ce que je pensais. Mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal à créer des choses ex nihilo, surtout en rapport avec une histoire d'amour et en rapport avec des photos comme ça. Enfin, c'est super difficile. Alors moi, à un moment, j'avais pris des photos de carton, quoi. Et des photos de carton, quoi. Et en fait, il dit ouais, alors ça, c'est typique. Il y a son frère qui demande à ce qu'il puisse mettre ses affaires chez nous et dit oui. Merde, c'est vraiment arrivé dans la réalité. Et voilà, c'était vraiment arrivé dans la réalité. Ça. Alors que c'était pas du tout le but. Je me disais, il va parler du moment où j'ai décidé de faire mes cartons et de partir et on a fait l'amour la dernière fois ou un truc comme ça, tu sais. J'avais une idée en tête en la prenant cette photo et en fait, pas du tout. Lui, il est resté bien terre à terre. Ça me fait halluciner, c'est-à-dire que j'ai la sensation devant ce jeu que je suis incapable de créer, d'imaginer quelque chose d'autre. C'est curieux quand même. Comment vous expliquez ça, vous, les créateurs, Christophe ? Romaric, est-ce que les photos que Flavie t'a données sont des photos que Flavie a prises de votre quotidien à vous ? Du tout, absolument pas. C'est des trucs qui datent de bien avant que je sois avec lui et même bien avant qu'on se connaisse. D'accord. Donc je me demandais si ça pouvait avoir une influence. Après, mais visiblement pas, du coup. Après, je tiens à dire que Flavie a triché, puisqu'il est bien dit dans la base qu'on n'a pas le droit de prendre une série de photos qui a été prise par le même photographe. Or, toutes les photos de Flavie ont été prises par Flavie, il faut le dire quand même. Mais voilà, je voulais juste dire. Mais en fait. Mais c'est que la règle, c'était pas pour ça qu'elle était. Enfin, on pense que si c'est toi qui as pris les photos, ça va. L'idée, c'était juste si tu prends genre un photographe célèbre qui a fait, je sais pas moi, une série de photos de la ville de New York, ben, ça va pas trop marcher parce que c'est trop répétitif. D'accord. C'est trop mis en scène. Il n'y a pas de petits détails que tu peux choper pour raconter d'autres choses, en fait. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire, en fait, les photos de Flavie étaient bien mieux choisies que les miennes parce que ces photos, en fait, c'était vraiment des photos de vacances de la vie de tous les jours, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces photos, on a pu les toucher. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été chercher dans sa chambre, dans son bureau, des photographies que j'ai pu toucher avec la main, avec les doigts, alors que moi, j'ai choisi des photos sur un PC et je les faisais défiler sur un ordinateur. Il n'y a rien de plus tue l'amour que des photos qui défilent sur un ordinateur. Honnêtement, chers auditeurs, si vous devez jouer à ce jeu, je vous invite vraiment, vraiment. Pourquoi tu te marres, toi ? Si vous devez jouer à ce jeu, j'espère que personne ne sera jamais contraint de jouer à un de nos jeux. si vous un jour vous jouez à ce jeu, pardon, excuse-moi, il faut vraiment prendre des photographies réelles et que vous. C'était un truc qui était mis dans la base aussi en fait. Ouais. De préférence, choisissez des photos du quotidien, quelque chose en bazar, etc. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi tout ça en fait. Ouais, c'est beaucoup plus. Parlant que des photos lissées, photoshopées sur Internet, comme celles que j'avais pu prendre. Enfin, le Bob, c'était carrément tiré d'un. Mais je pense que, magazine. En fait, au-delà même de tirer les photos, prendre un appareil photo numérique ou avec votre iPhone, on est à une époque qui permet de faire ça et aller prendre des petits trucs là, dans la rue ou dans votre appart et ça sera très bien, quoi. Vous faites une petite mise en scène et ça suffira largement, en fait. En fait, pour être tout à fait honnête, nous, c'est comme ça qu'on a joué avec Sylvie, nos parties. On utilisait uniquement nos smartphones, en fait. Avec les photos qu'on prend. Qu'on a prises à gauche, à droite. Un panneau qui est rigolo, justement, une coccinelle sur la fenêtre de l'appartement ou des trucs comme ça. Puis, ouais, ça donnait bien. En fait. C'est des vraies photos, mais effectivement, là, c'était. Donc, on s'échange le smartphone et puis. Voilà, mais bon, ça, c'est une question de goût, peut-être. C'est déjà plus tactile qu'un écran d'ordinateur, ça, c'est sûr. Mais
Puis on peut vraiment le prendre dans les mains. L'écran d'ordinateur, c'est vraiment tue l'amour. Hein. Là, vraiment, c'était... par rapport à... Alors que, par contre, quand Flavie me donnait ses photos et que je les avais en main, il y avait quelque chose de plus intime, de plus... J'étais plus près des photos et donc beaucoup... c'était beaucoup plus... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment probant. Ça, c'est vraiment Mais important, pour autant, tu n'as pas réussi à te détacher de ta propre expérience. C'est ça que tu nous disais. Mais, ouais, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Ouais, j'ai pas réussi. J'arrive pas. Non, mais pas en créer... fait, on a déjà eu. Ça me rappelle un truc qui nous est arrivé déjà en jeu de rôle. C'était un jeu de rôle où on devait se jouer. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais plus comment il s'appelle ce mec qui nous avait fait ça. On devait se jouer dans avec le Julien Gobin, ouais, le c'est ça. dansant. Et en fait, on a été incapable De se jouer nous-mêmes. De se jouer nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, le fait qu'on doive jouer un couple avec moi, toi, ça t'as pas réussi à enlever le fait que c'était moi, en fait. Ben non. Non, j'ai pas. Effectivement, j'ai du pas coup, réussi. Du coup, t'as pas eu envie de parler d'un autre couple ou d'une autre, vu que c'est le nôtre qui t'intéresse. Ben ouais, je sais pas. C'était vraiment bizarre, quoi. Bon, en même temps. Pardon. Mais bizarre, désagréable, ou comment vous avez ressenti ça? Moi, j'ai bien aimé jouer. Je suis assez preneuse de ce genre de choses. Bah, mais... Flavie, en tout cas, a vraiment pris du plaisir à jouer. Moi, c'est moins clair. J'ai l'impression qu'on m'a contraint à raconter des choses. Il faut savoir que t'es quand même quelqu'un de très pudique, donc voilà. En fait, En t'as fait, eu l'impression. Il est là le problème, c'est que c'est pas du tout mon genre de jeu. C'est-à-dire que c'est raconter. Ah, il peut te raconter comment il va sauver le monde, mais te raconter non, des moments particuliers de la vie, un peu quotidien, ça c'est déjà plus c'est compliqué. Pas des quoi. moments quotidiens, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment des rap un truc par rapport à l'amour, par rapport à l'intimité, par rapport à pas non pas forcément du quotidien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est L'intime des sentiments, quoi. L'intime des Et même sentiments. Le fait de le raconter juste à Flavie, enfin, juste les deux, ça t'a pas suffi à débloquer ou comme ça? Mais non, je sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais pas envie, au final, de... Bref, vous avez fait un jeu à tendance narrativiste extrêmement réussi, vu non. que Romaric n'a ah, pas ben... Ouais. Ah mais justement, alors attends, justement, j'en suis pas persuadé. Ce que tu nous dis là maintenant, c'est que jouer un elfe cybernétique, ça pose aucun problème, mais jouer le membre d'un couple, alors ça, pouf. En c'est fait, c'est pas tellement ça, parce que souviens-toi quand on avait joué à Breaking the Ice ensemble, ou même quand on joue des histoires d'amour dans des jeux de rôle en général, je suis plutôt bon et j'aime plutôt ça. Donc ouais, c'est vraiment lié. En plus, non seulement ça, mais en plus j'ai tendance à les encourager. Si on prend la plupart des campagnes que j'ai jouées ou que j'ai fait jouer, il y a toujours énormément d'histoires d'amour. Que ce soit dans Sens, les auditeurs pourront l'attester s'ils jouent à Sens, il y a énormément d'histoires d'amour. Dans Vampire la Mascarade, qui est une des plus longues chroniques qu'on ait faites avec Bender, on jouait une histoire d'amour entre un salubrien et un trémère et tout. Enfin, non, moi je crois que c'est vraiment pas ça qui me pose problème. Je crois que c'est vraiment lié à la manière dont la manière dont on me demande ici de créer une histoire d'amour. Et enfin moi honnêtement je trouve que il y a quelque chose qui manque dans ce jeu, il y a un lien qui manque, je sais pas comment dire, j'avais l'impression que mon personnage n'avait aucune substance. Et donc, du coup, le jeu m'amenait nécessairement à me jouer moi-même, parce que le personnage était pas assez substantiel. Je sais pas comment dire, il n'y avait pas assez de... Moi, ce que je peux dire, maintenant que tu en parles, c'est qu'on est directement amené à jouer ce qui s'est passé après, en fait, après la rupture. Et c'est un fait que, du coup, jouer seulement la rencontre, ça rend le truc un peu nébuleux, quoi. On a l'impression de... En fait, j'ai l'impression d'être amnésique et de redécouvrir mes souvenirs plutôt que d'être là pour les effacer. Ouais. Alors, même en dehors de... C'est le but. Pardon. Pour le joueur, c'est le but, en fait. Ouais. Mais en fait, tu vois, le problème, c'est que sur la rencontre, par exemple, pour moi, comment dire, une histoire d'amour, ça, c'est progressif.
ça va lentement. Les personnages au début ne se connaissent pas, ils apprennent à se connaître, ils mettent progressivement les pieds dans l'intimité de l'autre, etc. Là, en fait, mon problème par rapport au début de la partie, c'est vraiment que je trouve que ça va trop vite. Alors après, j'imagine qu'on peut aussi décider de faire autrement et de prendre plus de temps. Mais pourquoi ? D'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais que je jouais beaucoup d'histoires d'amour, j'ai aussi précisé que c'était dans des campagnes de jeu, parce que dans des campagnes, les choses ont le temps de se mettre en place. Au fur et à mesure des scénarios, on découvre des choses. Dans les jeux à one shot, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on vire beaucoup plus à la caricature. Et moi, j'ai une peur bleue de l'intimité et de la caricature mélangées ensemble. Et c'est moi je pense qu'il y a un problème qui est vraiment lié à ça. Je trouve que ça va trop vite. L'idée de se dire on va jouer. Dans Breaking the Ice, par exemple, on joue progressivement le couple se rapprochant. Là, l'idée de dire, on va commencer d'entrée de jeu par raconter comment on est ensemble, ben, je trouve que ça n'accroche ouais, pas. Mais en fait, ce que tu joues vraiment, c'est pourquoi on a rompu. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de substance, c'est-à-dire s'il n'y a pas au départ les bonnes raisons de ce pourquoi on est ensemble, on ne sait pas pourquoi on a rompu. Et en fait, on se retrouve. J'ai l'impression qu'on se retrouve à raconter des segments qui sont détachés les uns des autres et que l'histoire est saccadée en fait. Absolument. Mais ça c'est ce que vous vouliez. Bon d'accord, ok. Mais je trouve. De toute façon, je vous l'ai dit, il a détesté Eternal Sunshine, The Spotless Mind, hein, donc fallait pas. C'est le côté en fait, c'est exactement ça en fait, c'est la même structure. Absolument. Enfin. Bon. Est-ce que bon là je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que tu trouves qu'au cours de la partie, les choses qu'on racontait avaient de l'importance sur la suite des événements ? Ben, moi, j'ai réutilisé des choses dans ce que j'ai raconté sur le beau pâleur, le fait qu'à un moment, tu m'avais laissé toute seule. Enfin, le personnage avait laissé mon personnage. Francis avait laissé Sarah seule à une soirée et qu'il a refait la même chose à une autre soirée de mariage. J'ai essayé de rendre ça cohérent, en fait. D'accord, ok. Très bien. Très, très bien. D'accord. Et est-ce qu'on est récompensé pour cela dans le jeu ? Est-ce qu'il y a une récompense pour ça ? Non, il n'y en a pas. Non. Quelle est la récompense pour le joueur qui fait des choses cohérentes par rapport aux images ? Christophe, Sylvie ? Vas-y. La récompense d'une histoire bien racontée, cohérente. Mais tu vois, à aucun moment, on peut signaler à l'autre joueur qu'on est content ou satisfait que l'histoire est cohérente et bien racontée. Oui, mais ça, tu vas le faire à la fin, dans un sens. Je veux dire, une histoire cohérente, bien racontée, en fait, tu auras envie de donner une deuxième chance à ce couple, tandis que si l'autre personne en face de toi, elle te raconte des trucs rien à voir... Bah, tu vas finir le jeu en disant non, en fin de compte, ces deux-là, je vois franchement pas ce qu'ils foutaient ensemble. Il n'y a pas l'air d'avoir un thème fort qui les lie, ils n'ont pas l'air d'être vraiment attachés, ou il n'y a pas quelque chose de fort qui ressort. Donc à la fin du jeu, tu n'as peut-être pas une récompense, mais une dérécompense, en fait, où tu vas dire bon. D'ailleurs, à la fin. Ouais. Mais je pense que c'est jamais rentré dedans, en fait. Moi, j'avais envie qu'ils retournent ensemble. Et toi, tu en avais rien à faire, mais j'ai pas l'impression que tu as accroché du tout à ce que j'ai raconté, en fait. Moi, en fait, ce que j'ai eu l'impression, c'est que on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on créait, tu vois. Et qu'il n'y avait pas un moment donné où toi, en tant que joueuse, par exemple, tu pouvais me donner une récompense, quelque chose pour me signaler que ce que je racontais était beau ou bien écrit ou bien cohérent, etc. Oui, vas-y. Alors, quand tu racontes un souvenir à partir d'une photo, l'autre joueur a 4 options pour réagir. D'accord, ouais. Elle est là, ta récompense aussi, le signal de l'autre. Oui, c'est que s'il est d'accord, il ne dit rien, si, etc. Ou alors, il te tend une perche. Ou alors, il dit quelque chose de gentil, en fait. D'accord, après... très bien. Ouais, ouais, d'accord, ok, je vois. Alors là, du coup, je d'accord. Là, je comprends. Du coup, on n'a pas eu l'expérience optimale parce que moi, notamment, j'étais un peu dans la posture de la personne qui, comme il teste un jeu, il pense pas en ces termes-là. Il pense en ces termes, je vais tester toutes les possibilités.
Ouais. Donc du coup, c'est pour ça. Ah bah tiens, bah là tu viens d'expliquer. En fait, je pense que c'est parce que comme on enregistrait cette émission, enfin cette émission après, j'ai voulu tester le jeu dans tous ses aspects et que du coup, ça m'a pas fait voir. Tiens, tu viens de souligner un excellent biais d'analyse en fait. Donc ça m'a. Ok, d'accord. Parce que moi, en fait, il y a des trucs que j'ai pas fait parce que j'en avais rien à faire. Je voulais faire l'histoire, quoi. Ouais, d'accord, ok, très bien. Alors après, je me suis fait la réflexion quand même que malgré le fait que je veuille tout tester, toutes les options, effectivement, maintenant que tu le dis, je me souviens que je voyais en fonction de la pertinence de ce qui avait été raconté. Effectivement, Christophe, tout à fait, mais t'as raison. D'accord, ok. Ah bah là, du coup, je comprends. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est parce que j'ai voulu trop jouer le joueur et pas assez jouer le jeu. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est très sérieux. Non, mais c'est une belle façon de le dire. C'est une belle façon de le dire. Ouais. Donc, ok, très bien. Alors, les couleurs, on a bien vu l'inspiration prosopopée, là. Les couleurs sont les photographies, en fait. Les paradigmes. C'est-à-dire, dans prosopopée, ce qui t'incite à créer, c'est ce que Frédéric appelle la couleur. C'est des médiums, enfin, l'harmonie, le vide, etc. Et les animaux, etc. Et donc là, ici, ce qui nous invite à créer, c'est les photographies. Donc c'est une mécanique très connue, c'est-à-dire que tu vas prendre une couleur, un lieu, etc. Et tu vas demander au joueur qu'est-ce que ça lui inspire. Et donc, ayant une base pour créer, il va être amené à créer des choses intéressantes a priori. Donc là, voilà, ça c'est intéressant. Fly, est-ce que tu as des choses à dire? Parce que j'ai l'impression que je parle tout seul là. Non, ouais, juste sur les photos et les couleurs, justement, vraiment favoriser des trucs que vous avez vus, vous, des photos, des petites choses qui vous ont vraiment touché dans votre vie quotidienne, parce que du coup, si vous, ça vous a touché, ça aura tendance à toucher la personne à côté. Choisissez rien sur Internet. Que vous ayez vraiment. Je pense que moi, j'ai eu des fois des petits soucis pour choisir dans les photos de Romaric. Par exemple, la photo du nightclubber, j'ai pas du tout eu envie de la prendre parce que c'était une sorte de pub et ça, bah, non. Ouais, mais c'était bien précisé dans la base qu'il fallait prendre aussi une activité. Oui. Donc, je me suis dit, le nightclub, c'est bien pour une relation. Le ski, la nage. Oui, d'accord, mais bon, voilà, c'est le nightclub, ça marchait aussi, tu vois. Je me suis dit, ça peut me mener tricot, à de la fiction marrante. Le magazine. D'accord. on avait eu aussi le même problème à la deuxième partie qu'on avait joué. Christophe avait choisi des photos sur internet et en fait, ouais, j'ai dû simplement lui demander d'en choisir d'autres, quoi, parce que. D'accord. Ouais, c'était des photos d'une photographe qui faisait vraiment avec un style très prégnant. Il y avait des chevaux, des paysages, c'était très. En fait, c'est ça. C'est que. Pas expérimental, mais c'était très. Trop travaillé. Hein. Je pense qu'il faut que les photos. Et l'air d'avoir été prise par l'une des personnes qui sont décrites dans la fiction. Autrement dit, si l'un des deux membres du couple est un photographe, pourquoi pas prendre des photos léchées, des belles photos bien bien travaillées et tout ça, ça c'est possible. Mais si on a affaire à deux personnes normales, des amateurs. Évidemment, les photos, il faut qu'elles fassent amateur. Et le problème d'aller chercher des photos sur Internet, c'est que les premières photos qu'on trouve sur Google, c'est souvent celles qui sont laissées par les sites professionnels ou par des pros. Et donc, du coup, on se retrouve avec des photos qui sont beaucoup trop lisses, beaucoup trop propres par rapport à la fiction qu'on va raconter ensuite et par rapport à ce qui va se passer. Et c'est ça, dans le fond, c'est un peu le problème, quoi. Moi, le problème que j'ai eu, c'est une photo que tu as choisie où il y avait une sorte de fontaine avec un immeuble derrière et tout ça. Ok, alors qu'est-ce que je vais raconter là-dessus? Au final, tu as trouvé un super truc, c'est-à-dire que c'était une photo d'un guide touristique. C'était une photo d'un guide touristique et je me suis dit, oh, ça ressemble de loin à Versailles si je ferme les yeux. C'était une super bonne idée. Donc, on n'a qu'à dire qu'il s'est gouré et qu'il ne m'a pas emmené à Versailles et qu'il s'est planté avec le GPS. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une très bonne idée. Enfin, voilà, c'est... Donc, pas mal. Alors, c'est-à-dire que tes interventions Fly visent à dire comment mieux jouer avec les petites choses oubliées, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que t'en penses du jeu. Moi, j'ai trouvé ça assez touchant, j'ai trouvé la partie courte. Ouais. C'est un défaut, la partie courte, ou c'est bien? Ben, moi, j'aime bien jouer un peu plus longtemps. D'accord. Mais, voilà. Mais parce que je pense qu'en jouant un peu plus longtemps, je me serais encore plus attachée à cette histoire-là. Et que du coup,
Bah moi j'ai réussi à obtenir qu'ils restent ensemble, mais je pense en étant plus attachée à eux, j'aurais vraiment bataillé pour qu'ils restent ensemble. J'aurais dit non, mais que dalle, là ils restent ensemble, c'était trop bien ce qu'on a joué et tout. Alors que là, bon, j'avais envie, c'est cool, Rome il a pas dit non, mais bon voilà. Enfin, moi j'aurais bien aimé jouer un peu avant chez le psychomotricien, chez le psycho chirurgien. Psychomème nos trucs là. voilà, j'aurais bien aimé des mots plus que le moment de la rencontre dure plus longtemps qu'on joue les premiers temps en fait de l'amour. Mais bon, ça c'est mon côté fleur bleue. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les choses s'installent progressivement. Dans ce jeu, il me semble qu'il n'y a pas de temps suffisamment laissé à l'idylle amoureuse vécue avant. Genre après la rencontre, un temps fort. Genre le premier moment où on se dit je t'aime, le moment où on emménage ensemble, ou le moment où on découvre qu'on a un point commun. Enfin, un truc fort, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, que... Oui, vas-y, Christophe. Tous ces moments forts que tu décris, tu vas pouvoir les raconter via des souvenirs. Bah oui, mais ils seront forcément entachés par le fait que ça a été... Il y a eu la rupture, on le sait. Donc, moi, je sais que j'ai plus eu tendance à jouer des moments qui étaient tristes, en fait. Parce que pour expliquer un peu la rupture, mais du coup, j'ai pas vraiment connu la vie heureuse, amoureuse, quoi. C'est Romaric qui a plus amené des moments chouettes comme ça. Est-ce que vous avez vraiment cherché à déterminer les causes exactes de la rupture? Parce que c'est pas demandé dans les règles. Non, du tout. C'est pas les causes exactes, mais c'était des moments, en fait, naturellement, en fait, du coup, je faisais mal terminer les moments. Mais ça, Ça, c'est bien, je trouve. Enfin, c'est un point fort du jeu. C'est-à-dire que, au final, la rupture, enfin, je trouve vachement intéressant de raconter des souvenirs dans une relation amoureuse, sachant qu'on sait que ça se finit mal. Je trouve que c'est génial. Ça, justement, c'est probablement un des côtés les plus intéressants en termes de créativité ouais, dans le jeu. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'est pas. Enfin, ouais, c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt juste ça. Et ça se finit pas mal. Hein. Les deux personnages se retrouvent en fin de compte. Bah en fait, dans la fin, a priori, Rome, c'est pas totalement. Lui, il se souvient de moi. En fait, on se retrouve au même endroit, un endroit. Bah, il y a la photo, en fait, ma photo qui restait, où on se retrouve là sans le vouloir. Et moi, je me souviens pas de lui, mais lui, il se souvient de moi. Il dit oh, bonjour, j'ai pas l'habitude de parler aux inconnus, mais vous avez l'air sympa. Et il dit oui. Je fais cet orage me rend un peu triste. Oui, mais vous savez. On n'est pas tant que ça des inconnus. Je dis, on s'est croisé à une fête. Oui, c'est ça. D'accord, je pense que c'est... quand j'étudie les mécaniques du jeu, le truc, je pense que c'est un excellent... Je pense que c'est vraiment un bon jeu. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, en fait, malgré tout, les différentes... quand je disais tout à l'heure, il faut faire moins le joueur et plus le jeu... Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont être dans mon cas au départ. La première partie doit pas être. Je pense qu'il y a une phase. La première partie, elle va forcément être moins bien. Tu sais ce qu'il va falloir qu'on fasse, Rome ? Ouais. On rejouera une partie en faisant durer plus longtemps la rencontre. Ouais, peut-être. Et moi, je pense que ça solutionnera tout parce que moi, c'est un jeu auquel j'aimerais rejouer. D'accord, ok. Ouais, moi, j'aime bien les mémoires. Bah, moi, enfin. Christophe, vas-y, je t'en prie. J'aimerais bien juste intervenir encore sur l'idée qu'il faudrait jouer plus longtemps la rencontre. Flavie, toi, tu parles vraiment de la première rencontre ou tu veux jouer plusieurs épisodes ? Non, je parle de la première rencontre. D'accord. Mais du coup, vous avez fait durer combien de temps, juste par curiosité ? Oh, bien... 25 minutes, c'est ça ? Non, mais la première rencontre. 5 minutes. La première rencontre, ça a dû durer 5 minutes, même pas. Et pourquoi vous avez arrêté ? Parce qu'on s'était fait un bisou. Attends, pourquoi on a arrêté Parce qu'il y avait eu le premier bisou. Parce qu'on trouvait ça satisfaisant. Enfin, ça semblait suffisant, en fait, ouais. Sur le coup. D'accord. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me dis que ça ne l'était pas. Tu vois. Ouais. Maintenant que j'ai joué au jeu, je me dis que ça ne l'était pas. Mais sur le coup, la première fois que tu joues, tu te dis, bon, ça va suffire. Parce que tu te dis, en fait, voilà. Moi, ce que je me suis dit, c'est de toute façon, le cœur du jeu, ce sera quand on aura les photos et qu'on va décrire les photos. Tu vois, je suis parti de ce principe-là. Je me suis dit, bon, allez, on passe un peu vite sur la rencontre et puis on va directement au fait, lieutenant, quoi. Alors qu'en fait, ouais. Pas du tout, en fait. En fait, la rencontre est très, très importante dans le jeu. Et. Non, mais en fait, je m'aperçois que même les temps de jeu que vous avez donnés, en fait, ils devraient vraiment être respectés. C'est-à-dire, quand on dit, oui, il faut tant de temps,
c'est tant de temps, c'est pas non, on passe rapidement et tout sur le truc. Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne moins bien. Autre remarque, tout à l'heure, tu disais aussi que tu voulais jouer un peu les moments forts plus tard, développer, construire le couple. Ouais. Ça, c'est dangereux, entre guillemets, pour ce jeu, parce qu'on se met plus dans une position comme Breaking the Ice. D'accord. Où effectivement, on joue petit à petit la rencontre, est-ce qu'ils se plaisent, est-ce qu'ils découvrent des points communs. D'accord. Mais avec la possibilité que la réponse soit non. D'accord. Et ça casserait ce jeu, les petites choses oubliées, si en fait, en jouant le développement du couple, on se rend compte qu'en fait, ça ne joue pas. D'accord, ouais. Les règles actuelles, elles disent, voilà, ça a joué, puis maintenant, on se retrouve plus tard, une fois que ça ne joue de nouveau plus. D'accord, ok. Pour que la rupture ait du sens. Je peux vous poser une question très personnelle ? Vous y répondez ou pas ? Si on répond alors. Mais... Voilà. Quand vous avez joué tous les deux en couple, après, comment vous vous sentiez après les parties ? Nous, ça a toujours bien fini, nos parties. Oui. Soulagée, dans un sens. Justement, soulagée par la fin. Puis très, très touchée. Enfin, c'est un peu comme quand tu... Enfin, moi, j'ai eu le même sentiment que quand tu regardes justement Eternal Sunshine, en fait. Moi, je pense... C'était émouvant. Voilà, je crois que c'est ça, c'est émouvant. Mais je ne me suis pas sentie triste ou... Non, touchée, je pense, c'est ça. Oui. C'est marrant, c'est curieux comme jeu. Bon, autant la thématique en fait m'intéresse pas beaucoup, autant je pense que c'est un jeu qui va faire son chemin. C'est-à-dire que quelque part au début tu prends la partie un peu tranquille, tu vois, bon voilà, t'as fait une partie de jeu de rôle, et après t'y repenses, t'y réfléchis. Elle doit revenir cette partie, je pense. En tout cas, je pense que il y a aussi un gros moment dans le choix des photos. Moi, j'ai vraiment passé. Il y a un moment où moi j'ai passé vraiment bien 20 minutes dans mes photos à chercher. Et du coup, j'étais déjà dans cet aspect un peu nostalgique, un peu dans mon monde. J'ai choisi les photos en me disant ah là on pourra raconter tel truc et tout. Et je pense que ce moment-là, c'est important. Il est vraiment très important à vivre. Il fait partie du jeu. Ouais, un petit peu comme quand on regarde ces cartes magiques au coin du feu en imaginant la prochaine partie qu'on va faire pour poutrer ses potes. Il y a un côté deck building en fait où on est en train de feuilleter ses photos, en train de se dire ah là là, mais qu'est-ce que. Et là, il pourrait raconter ça. Et du coup, il y a aussi le côté qu'est-ce que l'autre va bien pouvoir raconter sur la photo que j'ai choisie. D'accord, ok. Là, tu as choisi tes photos un peu par malice en fait. Ouais. En prenant précisément des photos. Mais je te dis vraiment la photo des caisses quand tu m'as raconté le truc, je t'avais. Mais non, mais c'est pas du tout ça qu'il était censé dire sur cette photo. Ah, et ça, c'est intéressant aussi, le fait que tu sois en contradiction avec moi, sur que tu as imaginé chouette, projeter drôle, des choses. C'était chouette. Ouais, mais au final... Et par contre, la photo où tu m'as bluffé, c'est celle où on voit la plage privée, là, un peu idyllique et tout, où tu as raconté un truc trop beau, je te dis, ah, trop bien. Et la photo avec le doigt, j'étais trop contente, je voulais exactement que tu dises ça. Genre, ouais, mais t'es toujours ses doigts devant les photos, elle est nulle et tout, je te dis, ouais, trop bien. l'a dit. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que tu as beaucoup plus joué au jeu ce soir que moi, en fait, Fly. Et qu'au final, tu es beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Donc là, je dis ça pour les auditeurs en termes de conseils. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut écouter dans ce podcast, c'est plutôt Flavie que moi, au final. Je pense que j'ai pas du tout vécu la même expérience que toi. En fait, moi, je pense avoir fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire avant de jouer à ce jeu. J'ai choisi mes photos sur Internet. Non, mais regardez, on va faire la liste. J'ai choisi mes photos sur Internet. Première erreur, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on l'a bien vu. Deuxième erreur, j'ai joué le joueur au lieu de jouer le jeu. Donc ça, deuxième erreur, parce que du coup, j'ai pas du tout vécu la sanction-récompense dont parlait Christophe tout à l'heure et qui est, à mon avis, fondamentale et capitale pour comprendre le jeu. Ensuite, j'ai mis mes photos sur un PC, donc pas du tout intime. J'ai pas du tout réfléchi quand j'ai choisi des photos sur Internet, c'est-à-dire que je les ai choisies rapidos parce que je voulais, voilà. Sur le début, au départ, je me suis pas laissé le temps de réfléchir, réfléchir à leur relation initiale, alors que justement, j'y tiens en règle générale, alors que toi, justement, t'as fait tous les efforts, en fait. Et toi, au final, t'as pris le jeu plein la gueule, c'est-à-dire on voit bien, au terme de cette partie, toi, t'as vécu le jeu, t'as vibré avec le jeu, moi, bah, c'est tout raté, j'ai rien, il en ressort rien. Et je vais même te dire un truc vraiment affreux, Romaric, et faut pas que tu le prennes mal, hein, mais ouais.
Moi, je pense que si je t'avais pas senti si loin et si froid, je me serais encore plus laissé aller dans le truc. Et je pense qu'il y a deux, trois moments où j'aurais peut-être presque pu verser ma larme. À ce point-là. Ben, sur ce que je racontais et tout, j'aurais pu aller plus loin, ouais. D'accord. Mais okay. Comme du coup, il y avait alors, vraiment. Mais alors, pourquoi enfin, comment tu peux verser une larme si cela ne te concerne pas? C'est ça. Mais parce que quand tu le racontes, tu peux te laisser aller. Si ça te concerne un petit peu, t'as toujours un petit peu de. Parce que du coup, moi, j'ai vachement réfléchi à mon perso, donc du coup, je me suis projetée dans ce truc-là, quoi. Donc, si j'avais senti de ta part quelque chose qui visait à construire ensemble, ça aurait été vachement chouette, en fait. Je pense que c'est un peu le genre de jeu comme les cordes sensibles de Frédéric Sintès, en fait. C'est un jeu dans lequel il faut pas avoir peur de se déshabiller, de se mettre à poil etc. Ouais. Donc là, je pense aussi qu'il y a encore un biais d'analyse, c'est que comme il y a un podcast qui va être enregistré derrière, j'ai pas non plus forcément envie de, tu vois, de. Donc en fait, vous avez vu comme l'enregistrement du podcast biaise l'analyse de ce genre de jeu. C'est impressionnant quand même. Faut m'écouter moi. Ouais. Pour Flavie moins que pour toi. Ouais. Mais non, effectivement, mais ça. Ouais. Mais c'est rigolo, je trouve. C'est. Vous y avez joué pour en faire un podcast aussi. Pas juste pour y jouer. Bah moi je joue pour jouer dans tous les cas donc. Oui, ça me pose voilà, pas c'est de ça. Soucis, c'est en fait. Moi j'ai pas joué pour faire un podcast non plus. J'ai joué pour découvrir les petites choses oubliées malgré tout. Mais tu vois, c'est bon malgré tout. Je sais qu'il y a un podcast qui va être enregistré derrière, etc. On n'est pas neutre non plus. Mais non, faut... c'est pas la même chose. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez faire en tant qu'auteur du jeu avec ce jeu en fait? Quel était votre propos? Je te laisse commencer. Attends, Sylvie. J'ai pris des notes à ce propos donc. J'ai repris les... Par quoi on commence? Quel était notre propos? Bon, déjà, moi je pense que le point principal en fait, c'est qu'on a écrit ce jeu parce que pour répondre aussi à des questions qu'on se posait nous en jouant à d'autres jeux, notamment moi en fait, j'avais pas mal de frustrations. Les jeux qui parlent d'amour, de thématiques amoureuses comme Stay With Me, où en fait, moi j'avais à chaque fois à la fin une frustration assez monstrueuse parce que j'avais l'impression de pas pouvoir décider ce que je voulais, de pas pouvoir mettre ce que j'y voulais, puis que c'était le jeu qui décidait en fait à ma place. Grave, j'ai eu la même frustration pour Slay With Me. D'accord. Elle disait aussi des choses un peu semblables. Je sais pas si c'était sur Slay With Me, mais enfin voilà. Puis du coup, en fait, on a découvert un jeu qui s'appelle toujours Shades. D'accord. De Victor Geisbers, le même qui a écrit un jeu très conceptuel avec des vampires ultra méchants, malsains, violents. D'accord. Frédéric en a eu parlé, peut-être. Ouais. Enfin, et donc, dans ce jeu, je dis juste en deux mots, parce que bon, ça explique aussi ce dont vous avez parlé avant. En fait, on joue deux fantômes qui reviennent à la vie, enfin, qui reviennent sur Terre. Et en fait, ils sont coincés sur Terre parce qu'ils sont extrêmement fâchés avec l'autre personnage, enfin, l'autre fantôme. Puis en fait... toute l'histoire, on va justement essayer de comprendre ce qui s'est passé entre ces deux personnages. Donc, on sait qu'il y a quelque chose de grave et puis on va essayer de découvrir ça. Puis en fait, c'est un jeu qui, avec Christophe, nous a vraiment retourné. Puis c'est le premier jeu où vraiment j'ai eu la sensation d'être vraiment libre. Et puis c'était émotionnellement extrêmement fort. Ouais. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, on se sentait... c'était extrêmement compliqué parce qu'on est... C'est épuisant parce qu'il n'y a rien qui nous aide. Donc là, vous avez eu... Enfin, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est vrai que... Ouais, on avait cette impression qu'il faut créer à partir de rien. D'accord. Et puis qu'on n'arrivait pas. Puis donc, on avait envie une fois de faire un jeu qui reprenne un peu des principes comme Shades, mais qui soit beaucoup plus accessible aussi. D'accord. Je pense que c'est un peu ça. Grâce aux photos. Grâce aux photos, en fait. Voilà. Bah ça, c'est évidemment le coup de génie de ce jeu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le coup de génie, en fait, des petites choses oubliées, c'est ça. C'est d'utiliser des photographies comme une couleur qu'on va... Ouais, je trouve ça top. Ouais. Le côté objet et tout, en plus, comme ça, j'adore. Ouais, c'est... un jeu avec un accessoire nécessaire en fait. Et on voit d'ailleurs, là on a bien vu dans la partie, que si les photos sont artificielles, cherchées n'importe comment et sur un ordinateur, ça fonctionne beaucoup moins bien que si les photos sont réelles. Donc c'est vraiment, vraiment bien vu quoi. Donc du coup tu voulais en fait, Sylvie si je te comprends bien, tu voulais finalement créer un cadre pour inciter des joueurs au cours d'une partie des petites choses oubliées à inventer une histoire d'amour crédible, etc. Et voilà, c'est ça. Sans contrainte. Avec des béquilles. Ça, en fait.
Tu voulais des béquilles pour le faire, c'est-à-dire pas non plus être lâché. Non, justement pas. En fait, je pas pense que c'est pas des béquilles. Justement, je voulais enlever les béquilles. Je reprends l'exemple de Slay With Me, justement, où en fait, moi, j'ai trouvé extrêmement frustrant quand on raconte une histoire d'amour, une histoire qui est liée aussi à des sentiments forts, que tout à coup, le jeu nous impose un choix, nous impose notamment la fin. Et ça, pour moi, c'était extrêmement pénible et j'avais besoin d'un jeu dans lequel, en fait, justement, t'as les béquilles qui t'incitent à créer, mais à part ça, il n'y a rien qui t'oblige à quoi que ce soit, en fait. D'accord, ok. Dans Stay With Me, si tes dés ne sont pas assez bons, tu dois soit sacrifier ton propre personnage, soit sacrifier sa quête, soit sacrifier l'amant. D'accord. L'amant. C'est une contrainte un peu quelque part artificielle. Tu as lancé un dé. Ouais. Ok. Puis le propos de Sylvie, c'est que surtout pour un jeu à deux où on est responsable que face à l'autre, ouais. On n'a qu'à choisir, nous, ce qu'il ouais, en est. Parce que dans Slay With Me, en fait, ça donne un côté un peu artificiel. Tout allait bien. Oh merde, mon jet de dé raté. Ben, je te bute. Voilà. Voilà. C'est ça qui frustrait Sylvie. Ouais, je comprends en même temps. Moi, ça c'est vraiment le côté Sylvie dans le jeu. Moi, je le peut-être avec une plus grande expérience jeu de rôle où on est habitué à des grandes contraintes mécaniques. Ouais. Ça me frappait pas tellement dans Slay With Me. D'accord. Donc c'est aussi rigolo en fait que à la fois Alice et Flavie aient soulevé un peu les mêmes choses que Sylvie. Et j'ai jamais entendu un des vieux de Silent Drift dire des choses comme ça. Ouais, mais pourtant, ça existe dans beaucoup de jeux et pas seulement les histoires d'amour. Hein. Mais ça pourrait être le thème d'un podcast. Hein. D'accord. Vraiment. Parce que moi, j'ai eu ces problèmes-là dans Dirty Secret. Tu veux dire des contraintes qui s'exercent trop fortement sur les joueurs. Des contraintes qui s'exercent trop fortement et à un moment, tu sais pas pourquoi l'histoire, elle doit changer d'un coup. Exactement. Et du coup, tu te retrouves à devoir inventer un truc abracadabrant des fois pour que ça marche, en fait. Absolument. Et c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Mmh. D'accord, ok. Très très bien. Et en termes de propos, tu disais que tu avais pris beaucoup de notes, Sylvie. Tu avais d'autres choses à rajouter ? Vas-y, Christophe. Y a un truc qui nous chatouillait depuis un moment, c'était la possibilité de raconter les mêmes événements selon plusieurs points de vue. Ouais. Je pense notamment au film Rashomon de Kurosawa, je pense. Où on raconte plusieurs personnes. Où plusieurs personnes racontent, je crois que c'est le meurtre d'une personne. D'accord. Et pour chacun, les raisons du meurtre sont différentes et tout ça. Enfin, ça donne différents points de vue sur la même situation. Et je sais plus comment on y est arrivé, mais finalement, on s'est dit, ah ben voilà. Si on raconte les souvenirs d'un même événement, on a cette malléabilité directement programmée dedans et on en apprendra plus peut-être sur la différence d'opinion ou de ce que chaque personnage s'est rappelé que juste d'avoir décrit les événements factuellement. Alors ça, j'avoue que c'est vraiment une très très bonne idée. Le moment où ça a eu lieu, là, j'ai eu vraiment une sensation d'immersion énorme parce que le nombre de fois où ça arrive dans la vie d'un couple, c'est-à-dire que le malentendu, en fait, tout simplement le malentendu, que deux visions, que deux éléments qui surviennent dans la vie quotidienne soient interprétés de deux manières différentes et que cela crée un malentendu, un quiproquo qui va se prolonger, qui peut même se prolonger pendant des années et qui peut vraiment véroler et pourrir un couple de l'intérieur parce que on ne s'en est pas parlé ou parce qu'on a tué, etc. Ça, le fait que ça se présente dans la mécanique du jeu, je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien. Et c'était bien, ça c'est bien vu. Ça c'est bien réussi, Christophe. C'est clair et net. Même en faisant le joueur, je m'en suis aperçu. Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser. Alors, c'est la fan d'X-Files qui parle, mais un épisode d'X-Files où tu suis en fait
l'enquête. D'abord, certaines images d'un point de vue de David de Mulder et de l'autre du point de vue de Scully. Et voilà. Et... Alors, oui, mais dans Les Petites Choses Oubliées, c'est pas si caricatural que ça. C'est-à-dire que oui. dans X-Files, l'idée, c'est quand même de faire surgir de l'humour. Oui, dans cet épisode-là. Voilà. Oui. Et en plus, on a affaire à deux visions du monde totalement opposées. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est rationaliste, qui cherche à rationaliser les événements, alors qu'il y en a un qui est avec ses petits hommes verts et ses petits lutins, et qui donc, du coup, ça crée forcément un décalage. Mais dans cet épisode-là, il y avait quand même un moment où, ouais, c'était hyper dans drôle. Dans Les Petites ouais. Choses Oubliées, c'est pas drôle. Non. C'est dramatique. Ouais, c'est sensible, c'est, comment dire, c'est petit, mais ça fait toute la différence. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est plus subtil, en fait. Mais c'est moins drôle, mais c'est plus subtil. Bon, il y a quand même moyen, dans Les Petites Choses Oubliées, de faire surgir de l'humour à ce moment-là, notamment par le biais de la mauvaise foi. Par exemple, à la fin de la scène qu'on a décrite en mode comme ça, c'était le fameux coup de Versailles avec le GPS, je crois, où je dis, mais non, je lui avais pas dit que j'allais lui faire visiter Versailles, je lui avais dit que j'avais visité un truc à la Versailles, mais pas Versailles, et elle a compris Versailles, etc. Il y avait aussi... C'est la preuve qu'elle m'écoute jamais. Voilà, c'est ça. Beau parleur, c'est la preuve qu'elle m'écoute jamais. Enfin, bref, c'était, bon, c'était assez, ça collait vachement bien, en fait, à la fiction, au final. Et ça créait un peu de l'humour par le biais de la mauvaise foi, en fait. Mais c'était dramatique. C'était pas... voilà. Ouais, c'était triste. C'était un peu triste. Mais ce qu'on trouvait aussi intéressant, justement, avec ça, c'était le fait que, ben, du coup, aussi, tu te retrouves pas aussi dans une situation où tu dois décider quelle est la vérité, en fait. Il n'y en a pas un que tu peux convaincre. Il y a toujours ces deux versions qui cohabitent. Et puis, du coup, c'est pas... ah ouais, mais en fait, t'avais tort. Enfin, il y en a un des deux joueurs qui avait tort dans ce qu'il a raconté, quoi. On voit vraiment bien que les deux joueurs apportent quelque chose, qui cohabitent ensemble, en fin de compte. Voilà, ce que je trouve triste, c'est qu'à ce moment-là, on voit en fait pourquoi le couple il s'est séparé, en fait. C'est parce qu'ils communiquaient pas. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. C'est peut-être ça le propos du jeu, c'est... Communiquer, c'est bon pour votre couple. Non, mais c'est vrai, c'est triste. Le moment, bah, s'il lui avait dit, mais enfin, mais tu m'as pas écouté, je t'avais pas dit Versailles. Oui, non, mais tout à fait. Bon, en plus, mais tu vois, comme quoi, le trait je suis un beau parleur, même s'il est anachronique, même s'il est hors de propos, eh ben, finalement, il a créé du jeu, ce trait-là. Ouais. Donc, bon, au final, bon, j'ai fait une erreur là-dessus, mais elle a été fructueuse, c'est ce que je disais en introduction. Donc, bon, finalement, c'était pas si mal. Ouais. Bah, moi, du coup, je regrette vachement de pas avoir profité du jeu. De toute façon, je te dis, si un jour tu veux rejouer, moi, je suis partante. Bah, ouais, carrément. Peut-être que je rejouerai. D'autant plus que je l'annonce, Fabien Invine m'a dit qu'il allait probablement organiser sur la cellule un podcast où on va parler exclusivement des jeux à deux joueurs. Donc, il a fait, et ça va être justement, on va voir quel genre de mécanique ça implique, etc. Donc, ce sera peut-être l'occasion à ce moment-là de reparler des petites choses oubliées après avoir fait une partie meilleure que celle que j'ai produite ce soir, parce que c'est vraiment de ma faute. Hein. Là, j'avoue, franchement, Flynn, t'as très très bien joué, c'est moi qui ai merdé en fait. Donc, il faut que je fasse un effort la prochaine fois. Parce que vraisemblablement, effectivement, il y a des choses très intéressantes dans ce jeu. Est-ce qu'il y avait d'autres propos que vous vouliez aborder avec nous avant qu'on ne conclue ce podcast ? La communication. Un autre aspect que j'aime bien dans ce jeu, on va dire ça comme ça, c'est que la chronologie est assez floue. On raconte des souvenirs, mais on ne sait pas vraiment dans quel ordre ils ont eu lieu, enfin, les événements ont eu lieu. Ce qui permet pas mal de flexibilité d'un tour de joueur à l'autre. On peut réinsérer par derrière, on peut préciser ou pas. On se crée une chronologie a posteriori, peut-être, ou même pas. On n'est pas obligé, comme on est dans un présent, on n'est pas dans un présent où on doit vraiment faire A, B, C, des actions qui s'enchaînent. Ouais, et là, on est vraiment dans une liberté que nous permet le média jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire que dans un truc comme un film, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu prévoir que le spectateur puisse tout comprendre. Sauf si t'es Lynch et que tu supposes que ton spectateur est intelligent. Mais du coup, là, on est vraiment dans l'utilisation du média jeu de rôle, quoi, dans ce que ça permet de liberté et de simplicité parfois aussi. Voilà, c'était à peu près les trois grands aspects qu'on voulait explorer avec ce jeu. La chronologie malléable, qu'est-ce qu'on avait dit, le fait qu'on n'était pas vraiment contraint à la fin, notamment. D'accord. Et que... Qu'est-ce que j'en avais encore dit, Sylvie ?
crois que c'est bon. T'as déjà testé, Christophe, That Was a Mutual Decision ? Non, on l'a pas joué. D'accord, ok. Juste lu, mais on n'y a jamais joué. C'est assez différent quand même. Je sais pas, justement, je te demandais parce que j'ai entendu Fabien me parler de ce jeu l'autre jour, et d'entrée de jeu, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça, à cause de du côté tragique on sait déjà que le couple va mal et que tu vois, c'est pour ça. Et donc, je me demandais si vous en étiez inspiré, si vous connaissiez, si ça avait un rapport, etc. On n'y a pas joué, non. Moi, je l'ai lu, en fait, en diagonale, pendant qu'on rédigeait notre premier manuscrit pour Les Petites Choses Oubliées. D'accord, ouais. Sylvie, je crois que l'avait lu plutôt, mais on n'y a jamais joué. Puis c'est un jeu qui se joue quand même à plusieurs. Plusieurs femmes qui jouent l'homme et plusieurs hommes qui jouent la femme du couple. D'accord. Et puis, il y a une dimension très surnaturelle aussi. Il y a une dimension surnaturelle avec des rats ou des rats-garous, carrément. Qui peuvent survenir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire des rats-garous dont m'avait parlé Fabien. Je me demandais. Ça a l'air complètement fou comme jeu. Oui, non, mais ça a l'air vraiment complètement fou, effectivement. Et ça peut finir en meurtre, ça peut être assez loin, quoi. Ouais. C'est moins joli, c'est pas la même chose, c'est pas le même propos, on n'est pas dans la même chose. Non, là. Je crois pas. Alors, c'est un jeu qui est disponible comment, Christophe, Sylvie ? Est-ce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ça ? D'accord. A priori, les jeux du Game Chef sont téléchargeables. D'accord. Tous ceux qui ont participé, les 45... Il y a eu entre 45 et 48 participants francophones. D'accord, oui. Qui ont été mis en ligne via le... On doit pouvoir retrouver tous les liens à partir du forum du Game Chef. D'accord, très bien. Donc, en attendant, il y a cette façon de faire là. Et puis, on est en train de réfléchir à la suite de ce jeu, quelle suite lui donner. Est-ce qu'on veut le publier électroniquement, papier, les deux? D'accord. On hésite encore beaucoup là-dessus. D'accord, mais... ok, très très bien. Donc du coup, vous attendez d'avoir peut-être plus de retours, plus de playtests, plus de relectures pour savoir si oui ou non il est digne d'une publication en elle-même, sans... en dehors du cadre du concours. Vous êtes arrivé, vous avez fait une bonne place pour ce concours ? Bah, y a pas vraiment à part le gagnant et son dauphin, il n'y a pas vraiment de place, hormis les finalistes. Donc, il y avait une douzaine de finalistes. Sur 40, d'accord. Donc, vous êtes quand même parmi le dernier quart, parmi le dernier carré qui a été sélectionné au Game Chef. Voilà. Donc, pour le volet francophone du concours. Après, il y a encore les autres sept langues, je crois. D'accord. C'est aussi c'est un concours où le concours est secondaire quelque part. C'est-à-dire ? On ne prétend pas que le classement ou le jugement est le plus juste possible. D'accord. Puisque finalement, chaque personne qui participe doit relire quatre autres jeux, voter pour un de ces jeux, et ensuite c'est les jeux qui ont reçu le plus de votes. Voilà, en général, c'est deux votes ou plus qui sont nécessaires pour passer. Ouais, d'accord, ok. Mais des fois, il y a quatre excellents jeux, on voudrait tous les voir passer en finale. Des fois, c'est plus difficile de se décider, tout ça. Donc, je crois que le concours assume ce côté très... ce qui est important, c'est qu'on se fasse des retours entre nous, finalement. D'accord, ouais, c'est ça. Il y en a un qui est choisi vainqueur, et puis... Et quel retour on vous a fait, du coup, au Game Chef ? Alors, qu'est-ce qu'on nous a fait comme retour ? Ben, y a eu le rapport de partie de Steve et Fabien, donc, qui est disponible sur les ateliers imaginaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que tu voudrais savoir plus exactement ? Ce qu'on t'a dit, grosso modo, sur ton jeu. Si vous avez eu des retours qui vous ont... Des retours qui vous ont aidé à aller plus loin ou... En gros, ce qu'on veut savoir, gros, c'est est-ce que ça vaut le coup l'année prochaine de participer au Game Chef ? Est-ce qu'on a des vrais retours bien constructifs ou alors est-ce que c'est plutôt sommaire et... Je pense qu'on n'est pas un bon... C'est pas à nous qu'il faut poser cette question, en fait, parce qu'on a fait un jeu qui était quand même déjà rien qu'un jeu pour deux, un jeu sur des thématiques qui n'intéressent pas tout le monde. Et puis du coup, je pense que... Un jeu indépendant, quoi. Un jeu d'auteur, quoi. On n'a pas l'habitude, nous, ici, à la cellule. Ce que je
veux dire, c'est qu'on s'est retrouvés avec quand même des personnes qui nous ont dit que ben, un autre jeu les touchait beaucoup, qu'ils le trouvaient chouette, mais qu'ils avaient pas, qu'ils se sentaient pas d'y jouer. Et donc, du coup, ben, le retour était un peu plus difficile que, voilà, que ça. Mais enfin, c'était très intéressant ce qu'ils ont dit. Quand même, il y a eu quelques remarques qui étaient bien. Ouais, ouais. Puis après, ben, d'autres retours qu'on a reçus, où ben, je pense que clairement, c'était pas du tout le public qu'on visait. D'accord. Et ben, dans ce cas-là. Ouais, merci pour votre temps, mais bah, voilà, ce qui est bizarre dans un concours, c'est que du coup, il y a des gens qui se trouvent à lire votre truc, alors que ces gens-là, probablement, s'ils étaient tombés sur notre jeu sur Internet, s'ils auraient regardé, ils auraient dit « Ah non, mais c'est pas mon truc ouais. ». Puis ils auraient refermé le truc. Peut-être que t'aurais fait, en fait, Romaric, je veux dire, tu vois, tu regardes le thème, tu dis « Non, mais en fait, bon, voilà ». Tombé et puis, ouais, certainement. Ceci dit, j'aurais vu quand même le nom des deux auteurs et je me serais dit, ça doit être bien quand même. Parce que tu vois, quand c'est signé Christophe Beuclet, Sylvie Guillaume, c'est des noms que je connais, je me dis, ça doit être quand même pas trop mal. Donc, j'aurais peut-être pas refermé le jeu si rapidement. Ceci dit. Et puis, ce serait dit, ça va plaire à Fly. Ouais, alors ça c'est vrai, ça c'est tout à fait juste. Je me serais dit, ouais, et puis bon, voilà. Bon, ceci dit, par exemple, je prends le cas d'un jeu un peu, un peu similaire, mais si, il y a certains rapports, c'est le roman érotique de Lionel Jeanneret. Il a reçu énormément de critiques de la part des gens sur le net et tout ça, parce que justement, les gens, les rôlistes, n'ont pas envie forcément de jouer des relations amoureuses. Si on prend par exemple Breaking the Ice, c'est la même chose. Il y a des gens qui réagissent en disant « C'est déjà suffisamment compliqué avec ma nana comme ça, sans que... en plus, je me tape un jeu de rôle dans lequel... » Enfin, voilà, des trucs comme ça. Des réactions de ce type. Ou alors des gens qui disent « Oui, ça sert à rien de faire un jeu de rôle pour s'exciter parce que notre relation de couple, elle est suffisante pour s'exciter. On n'a pas besoin d'un jeu de rôle qui vienne se greffer sur notre relation. » Ce genre de réaction, par exemple. Ce que tu décrivais tout à l'heure, finalement, Sylvie, c'est-à-dire des réactions de gens qui ne sont pas intéressés parce que ils pensent que c'est pas une thématique qui, pour eux, les intéresse en termes de jeu de rôle. C'est quand c'est même... C'est la vérité, quoi. Oui, c'est la vérité. Enfin, on conçoit tout à fait que ça n'intéresse pas tout le monde, mais nous, enfin, je pense qu'on avait aussi... Nous, on aime ce genre de jeu, et puis on trouve qu'il n'y en a pas assez, et puis du coup, Enfin, quand même, vous êtes arrivé. Vous êtes quand même avec votre jeu de niche là, avec votre jeu de. Vous êtes quand même arrivé en finale. C'est faut le souligner. Ouais. Donc c'est que c'est vraiment si en plus c'est une thématique qui en général n'intéresse pas les rôlistes. Sinon, je ne suis pas sûr, ceci dit. Mais bon, bref, et que vous en plus arrivez en finale, c'est qu'a priori il y a quand même pas mal de gens qui ont voté pour vous et donc ça doit être vraiment Moi, un jeu qui les a marqués. Très émouvant et très attachant votre jeu. Excellent, merci. Et donc, le but quoi. De jouer sur ça, ce sentiment de s'attacher à ces personnages qu'on découvre, d'être ému par leur parcours. Mais en fait, moi je pense que votre jeu il est réussi parce que j'ai pas réussi à y jouer. Et Frédéric serait là, il dirait la même chose. Il dirait ah bah c'est bien. Romaric il est pas content. Si Frédéric s'intestait là, il dirait bah c'est bien. C'est que vous avez fait un jeu qui dévoile, qui oblige vraiment les gens à se dévoiler. Parce que s'il est pas content celui-là, et ben c'est que et en fait je pense qu'il a raison. Et il a totalement raison. Il a totalement raison. Et donc je pense que du coup si j'ai pas réussi à jouer à ce jeu, bravo, félicitations, vous avez réussi, vous avez passé le test. Un dernier truc que je voulais voir avec toi, Christophe, je sais qu'à une époque, t'aimais bien tout ce qui était Rumble, concours, etc. Et une fois, tu m'avais dit, que tu trouvais que le format d'un concours, c'est-à-dire de faire un jeu en un temps très très réduit, ça augmentait la créativité, ça produisait des effets magiques, amusants. Tu maintiens toujours ça ? T'as ressenti ça quand t'as participé au Game Chef ? Je peux répondre par un exemple. Bien sûr. Innommable, ça fait 5 ans que j'y bosse. Il n'est toujours pas tout à fait fini. Celui-ci, on a commencé... On l'a rendu le 17 juin. Vous avez pu y jouer puis faire un podcast. D'accord. Donc oui, dans un certain sens. Oui, alors est-ce que le nom de Sylvie Guillaume te dit quelque chose, Christophe? Ça te dit quelque chose? Est-ce que tu veux la forcer à travailler sur Innommable de façon à ce qu'un jour tu puisses sortir ton jeu? Voilà, point final. Là, j'ai envie de dire, c'est ça la différence, Christophe, c'est que là, comme tu as une deuxième personne en qui tu as confiance, qui elle a confiance en toi,
et que, qui a, et que vous deux, ensemble, vous avez confiance dans le jeu, tu n'as pas tous les doutes que tu ressens au sujet d'Innommable. Et il me semble que c'est tout. Et moi, je te le dis. Et si tu avais couché avec moi et Frédéric, et ben ton jeu, il serait déjà sorti. Mais oui. Et Fabien, j'oubliais Fabien. Oh là là, j'oubliais Fabien. Ceci dit, Sylvie joue un grand rôle sur. Ah, j'ai eu peur que tu dises autre chose. Ceci dit, Sylvie a couché avec. Donc tu as joué un grand rôle sur la finalisation du texte d'Innommable. D'accord. Ouais, il est toujours pas fini. Mais c'est toujours pas de ma faute. Fini. Donc, pour répondre plus sérieusement peut-être à cette question de qu'est-ce qu'apporte le concours. Oui, moi j'aimerais bien que tu me répondes parce que j'ai énormément de doutes là-dessus. Apporte en tout cas pour moi l'obligation de pas tergiverser. Tu prends une idée, tu la mènes où tu peux. Et puis tu réfléchis plus tard si c'était une bonne idée ou pas. Hmm. Mais tu as déjà écrit un jeu. Mais d'un autre côté, tu ne trouves pas que justement... Je te sens sur moins, en fait. Tu te sens sur moins, c'est ça que tu as dit. Je répète moi, parce que... Je te sens sur moins si il faut vite que j'écrive un truc. D'accord. Et puis bon, bah là, j'avais l'aide de Sylvie. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, le concours, c'est le truc idéal pour les procrastinateurs dans ton genre, quoi. Qui ne savent pas... Absolument. Il y a une deadline, surtout. Il y a une deadline, etc. Donc, pour les procrastinateurs, c'est fait, quoi. Mais moi, tu vois... Procrastinateur, perfectionniste, tout ça. Voilà. Oui, oui. Bah, donc, une description parfaite de Christophe Buckley, donc. Mais le truc, c'est... tu trouves pas qu'en même temps, un jeu, c'est quelque chose qui se médite, quelque chose qui s'éprouve par de nombreux playtests, qui... C'est pas un peu en contradiction avec un des propos essentiels de La Forge, qui est que finalement, c'est l'ensemble des expériences qu'on fait sur un jeu qui affine le jeu et le rend meilleur. Oui, mais je pense aussi qu'il faut quand même dire que ce jeu, typiquement, il n'est pas né juste dans l'intervalle du Game Chef. Très bien. En fait, les idées, elles sont là, elles tournent, je pense, bien depuis une année, deux ans. Non, pas quatre ans, deux ans en tout cas. Deux ans. Les premiers trucs, rien qu'aussi l'idée, une des idées d'écrire un jeu sur la suite d'un couple. Parce que moi, je trouve toujours dommage, il y a des jeux sur le début, mais après, il se passe quoi une fois qu'ils sont heureux, quoi. Enfin, voilà. Mais là, ça fait vraiment un moment qu'on y réfléchit. Toutes ces questions, tout ce qu'on a essayé de mettre dans ce jeu, en fait, on en parle depuis déjà un sacré bout de temps, quoi. Donc, du coup, le concours, ça a juste été l'occasion de dire, OK, maintenant, on prend tant de jours, on s'y fout à fond, puis quand ça bloque, ben, on continue parce qu'on n'a pas le choix. Et j'ai l'impression que ça a juste permis un peu de cristalliser quelque chose qui était déjà quand même là. C'est pas sorti de nulle part, on s'est pas réveillé un matin en ayant cette idée, si on veut. D'accord, ok. Ce qu'il faut dire, c'était pas non plus notre première idée pour le concours. Ouais, c'est vrai. On a essayé d'autres choses, on a bloqué, on a jeté au loin. Et puis finalement, on est arrivé sur cette formule-là qui nous prenait. Et puis, dans la liste des inspirations, on cite quand même Breaking the Ice, auquel on a joué beaucoup de fois. On a joué plusieurs fois, non, deux fois à Shades, on a joué à Bliss Stage, on a joué à Clover, Hot Guys Making Out. Qu'est-ce que Clover, c'est pas la petite fille. C'est si. Oh, c'est trop mignon. Prosopopy, Slay With Me, tout ça, c'est des expériences de jeu, des heures et des heures de jeu. Bien sûr. Hein. Qui alimentent, en fait, cette création aussi. Mmh. Donc, et puis le jeu n'est pas terminé. D'accord, très bien. Donc, on continue de mûrir pour l'instant. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, on fait tester Clover à Romaric, d'accord? Ah non, mais c'est absolument. Bon, quoi. Arrêtez si de me faire tester des si jeux que je vais détester, fille, quoi. Et tu joueras, tu choisiras ton cadeau d'anniversaire. C'est une honnêtement, quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Ils s'amusent à me faire tester des jeux que je vais détester exprès. C'est-à-dire que c'est Frédéric, Christophe, merci, franchement, merci de... Ah, c'est pas moi qui ai proposé de jouer à Clover, hein, là, c'est lui. Oui, bah, merci Flavie. Quand on a une femme comme moi, pas besoin de Slay With Me. Oui, oui, bien sûr. Moi, en fait, si tu veux, mon avis sur le concours, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, ils débarquent déjà avec des idées de jeu qui sont faites. On propose des thèmes et les gens, en fait, ils essayent de mettre... de faire plier leurs idées de jeu au thème, de soumettre vaguement au thème en transformant. Donc en fait, je me dis que pour toi, Christophe, par exemple, si je viens chez toi avec une menace quelconque, genre t'as plus le droit de dessert pendant deux jours avant que tu finisses Innommable, ça va te finir le jeu peut-être aussi vite qu'un concours, non?
Non, avec une bouteille de cidre, ça marchera. Non, ah, oui. Remarquez que j'ai déjà essayé les menaces qu'il n'avait plus le droit d'aller aux conventions s'il n'avait pas fini de ma... Ça n'a pas marché. D'accord, ok. Bon. Mais la menace du sexe, ça marche beaucoup mieux. Ah, voilà, voilà, la prochaine idée. Alors. Bon, Marie, tu sais ce qui va se passer si tu, si tu finis pas Cosmo. Oui, oui, je sais, je sais. Au boulot, là. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les... Remarque, j'aimerais quand même encore rebondir sur une remarque. Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'on croit qu'on a, qu'on a essayé de mettre les petites choses oubliées dans les contraintes du concours. D'accord. On n'avait pas l'idée explicite des petites choses oubliées avant d'avoir les contraintes du concours. Quelles étaient ces contraintes, Christophe ? Quelles étaient ces contraintes pour que les auditeurs puissent attester de ton idée ? Alors, ceci n'est pas un livre. C'était la première contrainte, le thème. Donc ça, on le retrouve dans l'idée que les photos sont centrales au jeu. Très bien, oui. Et puis aussi le fait que vous l'aviez présenté sous la forme, à la base, vous l'aviez présenté sous la forme d'un menu, au sens de menu de restaurant, quoi. Avec, c'était un volet en trois. Donc c'est pas un livre, c'était un menu. Un menu, oui, d'accord. Enfin, tu vois... Au dépliant publicitaire. Oui, un dépliant, voilà, un dépliant, oui. Très bien. Voilà. Et puis... Ensuite, il y avait quatre mots-clés, absorber, briller, sauvage et faucille, l'outil. Et on a choisi absorber et briller parmi ces quatre. D'accord. Alors absorber, où est-ce qu'on voit l'absorption dans... Bah, l'absorption des souvenirs. D'accord, ok. Et briller, les photos, ça brille? Ce qui était brillant, ce qui était brillant. La rencontre amoureuse, les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. D'accord, ok. Okay. Bon, les thématiques, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Dans les concours, les thématiques comme ça, ça ne me parle jamais. Jamais, 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 jamais. Ok, d'accord, très bien. Ok, entendu. Bah, voilà. Si, absorber, faucille, un truc sur le communisme qui t'absorbe, tout ça. J'imagine qu'il y a dû y avoir des trucs effectivement croustillants. Tout ça est disponible sur Internet. J'imagine qu'avec des thèmes comme faucille et absorber, il y a dû y avoir des choses très croustillantes. Très, très croustillante en termes de jeu. À quoi tu penses ? Je sais pas, justement. Pour moi, j'ai l'impression de voir un peu un cadavre exquis, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, enfin, je vais te dire un truc, Christophe. Moi, les concours de jeux de rôle comme ça, je trouve ça absurde, en fait. Absurde. pour moi, ça me fait penser. Je sais pas. Pour moi, c'est totalement pas comme ça qu'on crée un jeu de rôle. C'est totalement contre-intuitif avec ma manière de faire, avec ma manière de méditer des idées, avec les propos et que j'essaye de défendre. Enfin, on pourrait faire un podcast entier sur l'idée de concours parce que moi, je serais vraiment un fervent défenseur de pas de concours, quoi. Enfin, c'est horrible, quoi. Arrêtons cette pratique de faire des concours de création de jeux en 24 heures. On peut faire des concours de création de jeux en 10 ans, si vous voulez, mais pas en 24 heures. Ouais, c'est en combien de temps, plus, chef ? L'idée même du concours, c'est-à-dire de la compétition. Attends, réponds à ma question. Ça se fait en combien de temps, le game chef ? 9 jours. En 9 jours. Et tu te rends compte ? Et puis même, enfin, 9 jours. Tu crées un jeu de rôle en 9 jours, c'est absurde. Et alors, l'idée même de concours et de compétition, alors là, bon, on voit que c'est un jeu, c'est un concours qui est orienté vers le partage d'informations, que les gens, effectivement, vont s'envoyer des retours et tout. Donc, oui, d'accord, ok. Mais l'idée même de faire un concours, c'est-à-dire qui c'est le meilleur jeu, qui c'est le meilleur jeu, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en dehors d'une conception du jeu de rôle comme produit. Et si tu prends le jeu de rôle comme une œuvre, eh ben tu peux pas dire laquelle est meilleure. Alors, Léonard de Vinci, c'est quoi le meilleur entre la Joconde et l'homme de... Enfin, tu vois, c'est absurde, quoi. C'est absurde. Ça veut rien dire. La Joconde est quoi, Romaric ? L'homme de Vitruve, là, ou je sais pas quoi, là. Ces dessins... Sans sourcils. Hein. Non, mais tu vois... La Joconde, ça fait plus de japonais. Non, mais c'est quoi le meilleur? Ça, c'est comme tu demandes, c'est quoi le meilleur Miyazaki, quoi? Ou c'est quoi le meilleur? Enfin, ça veut rien. Princesse Mononoke. Non, je suis pas d'accord. Shiro. Non, mais je veux dire qu'on peut pas, comme ça comparer les œuvres et enfin, moi, ça aurait tendance à me révolter, ça, tiens. On peut pas parler de ça maintenant. Oh,
zut, vous me l'avez énervé, il va falloir le calmer. Non, 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 non. Et on fera un podcast entier sur le concept de concours et tout. J'aurai l'occasion de me fâcher. De toute façon, ça fait déjà deux podcasts qu'on doit faire. Trois. Un sur les jeux de rôle à deux. Oui. Un sur la frustration qu'on ressent face à certaines règles qui surviennent et nous empêchent de faire notre fiction comme on veut. Un sur les concours. Bah voilà, nickel. On l'a, notre saison. Hein. Bon, merci Sylvie. Merci Christophe de nous avoir présenté ce jeu, Les Petites Choses Oubliées. Vous pouvez les télécharger, ne l'oubliez pas, sur Internet via le forum du Game Chef de cette année. Voilà, c'est... C'est fait. Non, mais c'est, moi, je regrette juste de ne pas avoir profité du jeu. Bon, on va y rejouer. On y rejouera. Ça a pris combien de temps déjà votre partie? Une demi-heure? Une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure. Ouais, 25 minutes, une demi-heure. Puis, on n'a pas compté non plus le temps qu'on a mis à rechercher les photos, etc. Donc, en fait, une heure, quoi, à peu près. Sauf qu'on n'a pas passé assez de temps, c'est ce qu'on a dit, on ne va pas se répéter, mais on n'a pas passé assez de temps sur la présentation. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas passé assez de temps. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en conclusion, tous les deux? Le podcast a duré plus long que la partie. 1h20, ouais. Parce qu'on papote et on raconte un peu nos vies aussi. Parce que le podcast, on est 4 joueurs, alors que pour la partie, on était 2 joueurs. Puis on n'a pas les mêmes contraintes non plus, créatives. Allez, à bientôt tout le monde. Merci. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut, à bientôt.